La voie de la transformation, c'est un bouquin mais essentiel, hein, qui a vraiment, qui m'a apporté énormément. C'est d'après les conférences de Jung sur l'alchimie, tu vois. Ah non, mais faut vraiment que tu le lises, quoi. Tu sais, moi j'ai été marié pendant 20 ans, et après mon divorce, je crois que j'ai trouvé une certaine forme d'équilibre, enfin bon... Ça se voit. Tout à coup, j'ai eu une révélation. S'épiler et se parfumer, pourquoi? Parce que, de toute évidence, hein, il n'y a pas de prise de conscience hein, du stéréotype auquel la femme veut correspondre pour plaire à l'homme, et ce, par tous les moyens. Hein. Alors que notre odeur corporelle, hein, que ce soit l'aisselle ou même le pied, hein, et tout de même celle qui nous va le mieux et ça j'en suis convaincu mais bien sûr mon cheminement personnel m'a amené à une certaine ouverture d'esprit qui m'a fait comprendre que la relation peut être vécue de bien de manière différente oui. Et d'ailleurs, on le retrouve ça dans toutes les religions et à tous les âges. Pourquoi? Eh bien, parce que sociologiquement, tout nous le prouve aujourd'hui. Eh bien oui,